Christian, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'actif qui a le mieux performé en 2020. Il s'agit du Bitcoin, avec une hausse de plus de 270% qui a écrasé finalement la concurrence. Même le Nasdaq et l'or, qui se sont très bien comportés, n'ont pas pu rivaliser avec une telle ascension. Alors, on voit bien qu'il y a un engouement autour du Bitcoin. Et avant qu'on essaie de trancher la question de savoir si c'est une véritable monnaie ou pas, vous avez un point de vue là-dessus, j'aimerais que vous rappeliez un peu pour nos spectateurs comment fonctionne le Bitcoin et quelles sont ses caractéristiques, ses particularités. Alors, première chose qu'il faut retenir sur Bitcoin, c'est qu'il va y avoir un nombre limité de cet actif électronique. Alors, c'est compliqué d'expliquer parce que c'est pas matériel. Hein. On pourrait dire, on, quand on voit un billet de banque, c'est physique. Là, c'est quelque chose qui est totalement électronique, qui est totalement géré par des algorithmes hein, qui ont été développés, qui sont en libre d'accès. Hein, ils sont libres. Tout le monde peut les lire. Tout le monde peut les, peut les analyser. Euh, la garantie de la fiabilité des choses, c'est que tout le monde partage l'algorithme. La, Donc, tout, personne, personne ne peut euh, dans son petit coin, modifier, euh, changer euh, la façon de calculer, euh, créer un bitcoin parce que tout le monde le verrait et donc ça serait rejeté immédiatement euh, par tout le monde. Donc on a cette garantie de la foule qui génère une sécurité dans les transactions et donc ce que nous dit l'algorithme c'est que on va créer de manière aléatoire jusqu'à 21 millions de bitcoins. Alors euh, ça dépendra un peu du nombre de transactions mais on va dire que ça se crée progressivement et on sait surtout qu'on a cette limite physique de 21 millions un peu en dessous mais on est à cette limite. Donc on aura une quantité limitée de ces actifs électroniques. Donc ça c'est le premier point et on pourra pas on ne pourra pas euh, frauder sur ce nombre d'actifs. Après, deuxième élément, bah, il y a quand même un coût. C'est-à-dire que moi, j'achète euh, quand j'échange un billet avec vous, il y a quand même la fabrication du billet. On s'échange le billet, donc il y a quand même un coût, ce qu'on appelle un coût de transaction. Alors, ce coût de transaction, aujourd'hui, il est supporté par ce qu'on appelle les, les mineurs, euh, les mineurs de Bitcoin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque transaction, il y a, euh, on peut être rémunéré pour faire les calculs informatiques qui servent à régler cette transaction. Et ces calculs informatiques sont faits par ces mineurs qui espèrent de manière très aléatoire, euh, gagner le nouveau bitcoin qui va être créé. Alors, c'est vrai que quand on a un bitcoin qui monte à 40 000 dollars, bah, ça vaut le coup finalement d'avoir dépensé un peu d'électricité, d'avoir fait tourner son PC pour avoir ce bitcoin qu'on peut revendre et échanger immédiatement en dollars. Donc là, ça a une vraie valeur euh, pour ces gens-là. Donc les coûts de transaction aujourd'hui sont entre guillemets gratuits parce que supportés par cette création de bitcoin. Et là, on voit quand même un problème c'est le jour qu'on aura les 21 millions euh, de bitcoin de créer, euh, qui, va, qui va financer euh, ces coûts de transaction entre guillemets Il faudra bien à un moment donné financer les calculs. Et puis, on le voit aussi, c'est que c'est très consommateur d'énergie. Euh, Aujourd'hui, on a des fermes, des fermes de mineurs, hein, vous savez, ce sont des cartes. Des cartes graphiques hein, qui, sont, qui ont été achetées, qui ont été mises l'une à côté de l'autre. Pourquoi les cartes graphiques Parce que ce sont des processeurs très puissants, ça coûte moins cher qu'acheter un PC complet. Et puis on les met en ligne, et puis ça calcule, ça calcule, ça chauffe, ça, ça prend de l'électricité. Et c'est de plus en plus complexe, parce que plus on a de transactions, plus ça demande des calculs importants. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ces gens-là qui assurent le bon fonctionnement et euh, les transactions en Bitcoin. En faisant ça, ils génèrent de nouveaux Bitcoins. Alors, il génère de manière aléatoire. C'est-à-dire que vous, vous pourriez participer au calcul avec votre simple PC et puis, euh, par hasard, avoir ce Bitcoin. Mais bon, c'est vrai que si vous faites 40% ou 50% des calculs, vous avez plus de chances d'avoir euh, l'aléatoire que si vous en faites un dans la journée. Donc, forcément, il y a un effet euh, échelle et euh, impact euh, naturellement de la rémunération de ce Bitcoin euh, créé de manière aléatoire. Alors, on reviendra sur la question du coût euh, plus tard. Mais, donc, ce que je comprends, c'est qu'on a une monnaie qui a été créée, donc, par des gens qui se méfiaient un petit peu tout de même des monnaies existantes et donc des monnaies de banque centrale. C'est une création décentralisée puisqu'elle est multipolaire, aléatoire, et on sait qu'on aura un nombre limité de bitcoins, 21 millions. Ça, c'est arrêté. Bon, très bien. Si aujourd'hui euh, le bitcoin est plébiscité, c'est aussi parce qu'on a une défiance. Très forte à l'égard des monnaies institutionnelles, des monnaies étatiques, du simple fait de l'hypercréation monétaire dans les, laquelle se sont lancées les banques centrales, les grandes banques centrales, la BCE, la Fed, la Bosch depuis longtemps, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, la Banque d'Angleterre également. Bon, quand on a une hypercréation monétaire, on se dit qu'on va avoir un problème sur la monnaie. Est-ce que le bitcoin peut être un substitut à ces monnaies qui suscite de plus en plus de défiance oui alors le, le principal argument c'est ça c'est un nombre fini donc on en, il y en aura un nombre fini le seul problème c'est que c'est pas réellement une monnaie c'est là où, où est-ce que c'est un actif finalement euh, un actif euh, financier c'est pas un actif financier c'est pas en tout cas ce que c'est pas le reflet d'une création de valeur si vous achetez une action et eh ben vous achetez un peu de capital productif de l'entreprise donc vous pouvez vous dire que l'entreprise va créer de la valeur donc vous achetez une partie de cette valorisation de biens de services que crée l'entreprise là c'est pas le cas Hein, clairement, ce n'est pas, pas un octet informatique qui crée de la valeur. Bon, donc, c'est pas. Quelque chose qui reflète une création de monnaie. Deuxième chose, euh, est-ce que une création de valeur? Deuxième chose, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez euh, acheter votre baguette? Alors c'est vrai que certains mettent en avant que de plus en plus vous pouvez avoir un compte en Bitcoin. Vous pouvez derrière payer des commerçants, mais on s'aperçoit au regard de la volatilité, c'est que c'est une illusion parce que le jour où le commerçant euh, reçoit euh, votre Bitcoin, il le change immédiatement dans la devise, dans sa devise de référence. Il va pas le garder parce que vu que la, ce Bitcoin peut fluctuer de 20%, toutes ces marges peuvent être Complètement fondu en une journée, donc c'est pas une monnaie de transaction parce que c'est pas stable. Votre pouvoir d'achat il est pas stable aujourd'hui, donc c'est peut-être plutôt un actif de réserve. Et je, je dirais que la meilleure comparaison c'est peut-être une comparaison avec l'or ou un tableau de maître. Euh, la vraie question quelle est la valeur du Bitcoin aujourd'hui? Bah, c'est finalement la valeur que l'accordent aujourd'hui les gens le nombre de gens qui ont envie d'en avoir puisqu'on sait qu'il y en aura 21 millions. Quand vous achetez aujourd'hui un Bitcoin, c'est de savoir demain qui voudra de, de, cette, monnaie, de cette monnaie entre guillemets ou de cet actif euh, électronique. et s'il y a beaucoup de gens qui veulent un tableau, s'il y a beaucoup de gens qui veulent un lingot d'or chez eux et eh bah, finalement euh, ça peut que monter. Mais si demain, personne ne veut de l'or, parce que euh, l'or, finalement, je ne peux pas aller payer ma baguette de pain euh, de, à la boulangerie avec un mon lingot d'or, si personne n'en veut, bah, finalement, ça vaut zéro. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur fondamentale, parce qu'une entreprise, on peut se dire, au moins, il y a la valeur de l'usine, la, euh, la marque, etc. Il y a des choses palpables de création de biens, de biens physiques. Là, vous n'êtes pas du tout dans de la création de biens, vous êtes juste sur l'anticipation que quelque part, euh, cet actif vaudra quelque chose demain. Donc, vous achetez une, un tableau de une toile de mer. Euh, sauf que là vous n'avez pas le plaisir de la toile mais vous achetez un bitcoin en disant bah, demain il y aura beaucoup de gens qui en voudront donc ça vaudra beaucoup plus cher donc le, le bitcoin pour vous c'est comme un tableau d'art ou un tableau d'art de l'or c'est un actif auquel euh, on accorde un prix en fonction de l'anticipation de ce que ça vaudra demain euh, par, euh, par d'autres personnes alors quand vous dites euh, que ça ne peut pas servir aux, aux transactions mais PayPal a annoncé qu'on pourrait effectuer des transactions avec le bitcoin donc ça bat en, un peu en brèche euh, ce postulat. Mmh. C'est le vôtre. Oui et non, parce que euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il vous permet de mettre, par exemple, on, par un simple virement, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des frais de transaction, mais par un simple virement, vous, vous, vous échangez vos euros pour les mettre en Bitcoin. Mais c'est comme si je faisais un virement sur un livret A avec euh, un actif derrière qui est une autre monnaie. Mais euh, je fais un virement sur, sur, pour acheter cet actif-là. Mais est-ce que c'est véritablement euh, quelque chose que, euh, que vous allez utiliser tous les jours dans votre vie quotidienne pour payer Et puis on s'aperçoit surtout, c'est que vous, vous allez peut-être aller à un commerçant. Vous allez dire bah vous acceptez Bitcoin, il va vous dire oui, un moyennant commission, il euh, n'y a pas de problème. C'est comme si je vous achetais, vous vouliez payer en yens, en dollars, et il va vous dire je vais vous faire le change. Mais il va pas garder le Bitcoin, parce que lui, il a acheté ses produits en dollars, en euros, il a, il a son coût du travail qui est en, en dollars, en euros. Il a, il, il a finalement, face à ça, il, il va immédiatement euh, accepter votre paiement, faire les, les, les transactions, mais il va le reprendre euh, immédiatement dans sa monnaie, qui est son coût de production, qui est son coût d'achat. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le Bitcoin sert à des transactions de biens physiques. C'est juste un moyen de paiement, peut-être, utilisé, accepté, mais en réalité, c'est plus un actif de réserve aujourd'hui. Que, que vous échangez sur des plateformes électroniques et euh, finalement, c'est comme si je vous disais, je, au lieu de payer en, en euros, je prends mon, mon tableau de, de, de maître, hein, mon tableau, moi, ma toile, ma, ma statue, mon, mon lingot d'or et on accepte de me prendre un petit morceau de mon lingot d'or pour payer. Mais c'est juste une facilité de transaction, mais ça ne reflète pas forcément euh, véritablement une monnaie, ce qui est une monnaie derrière qui est une monnaie qui vous garantit dans une zone géographique le pouvoir d'achat de biens et de services produits dans cette zone euh, ou distribués dans cette zone géographique. Alors, justement, si on compare une monnaie traditionnelle avec ses trois fonctions hein, qui sont euh, réserve de valeur, là le bitcoin est une réserve de valeur, on est bien mmh. d'accord. Euh, intermédiaire d'échange, bon, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est trop volatile finalement trop... pour être un, un intermédiaire d'échange. Et puis surtout, vous êtes obligé de passer par un broker de bitcoin. Donc vous avez bien un intermédiaire, vous n'êtes pas comme dans le billet de banque. Billet de banque, vous avez personne. Vous, vous, le billet de banque, vous le payez pas. Vous ne l'avez pas l'acheter auprès de la Banque de France. Et puis derrière, vous êtes sûr que tout le monde va vous le prendre. Il n'y a pas que là, il faut quand même à un moment donné passer par un intermédiaire qui vous fera des frais, hein, de toute façon. Et c'est pas une unité de compte. Non, parce donc, que donc pour vous, c'est pas une monnaie, c'est bien une, juste une réserve de valeur au même titre que l'or voilà. ou qu'un tableau d'art. Voilà, c'est très spéculatif, mais c'est une réserve de valeur liée à la, une confiance qu'on accorde à cette réserve de valeur. Est-ce que euh, le, le Bitcoin n'est pas tout simplement euh, l'or des millennials ça peut être perçu comme ça, parce qu'on on va dire que pour certains, euh, le côté électronique euh, attire, la technologie est fiable, hein, on peut pas dire, il faut le reconnaître, hein, il y a eu alors, il y a, il y a des tentatives, hein, il y a eu des histoires de piratage, mais c'était au niveau des intermédiaires, hein, c'était des intermédiaires qui sécurisaient pas leur place. Mais euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui, on a cassé, on a mis pris en défaut les algorithmes qui gèrent euh, les bitcoins et la création de bitcoins. Donc on peut dire que le, la, la technologie, la blockchain, a montré qu'elle était efficace, qu'elle pouvait servir à d'autres choses d'ailleurs, pas que à pas que ça. Mais mais euh, en tout cas, c'est une vraie technologie. Ça, il ne faut, faut, faut pas le dénier. Et euh, c'est une vraie sécurité dans le sens que, euh, véritablement, euh, quand, quand on a un Bitcoin créé, euh, alors le bon Bitcoin, hein, encore une fois, attention, il y en a plusieurs. Et rien ne m'interdit demain à moi de créer mon propre Bitcoin. Mais au moins, on est sûr de, de cette valeur. C'est-à-dire que c'est comme si, là, vous n'avez pas de doute. Vous achetez une toile, mais vous savez que c'est la toile de maître et vous êtes sûr qu'il qu n'y a pas besoin d'histoire de, de, d'experts et tout ça. Vous êtes sûr de cette valeur. Maintenant, est-ce que ça vaut quelque chose Ben non, ça vaut pas plus qu'un qu bit électronique. Donc ça, c'est vraiment une question de valeur. enfin Quand je dis, je reviens à ce que à ma précédente remarque. Bon, l'or des milléniaux, c'est peut-être un, un raccourci de ma part un peu abusif, puisque on a tout de même des grandes banques d'investissement qui promeuvent aujourd'hui le Bitcoin et qui le recommandent dans des allocations d'actifs. Après le recommandent, au même titre que l'or mais derrière voilà vous prenez un risque alors le seul problème c'est que c'est un risque peut-être un peu plus fort que l'or parce que déjà on le voit c'est quand même un actif plutôt récent c'est un actif en plus euh, où on voit qu'il faut faire attention. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'escroqueries. Il y a beaucoup de, de monnaies électroniques. On peut on peut se dire que demain ça peut être une autre qui prend le donc ça peut valoir zéro. Et puis il y a un petit élément aussi qui joue par rapport à l'or, euh, c'est que l'or euh, globalement c'est reconnu par tout le monde. C'est quelque chose qu'on qu qu connaît bien. Que demain vous pouvez avoir un état qui dise moi je refuse que mes résidents euh, puissent acheter des bitcoins et demain ça vaut zéro. Dans ce cas-là vous vous enlevez une partie de la demande potentielle de cet actif de réserve. Donc, donc c'est aussi très très soumis finalement à une réglementation et au bon vouloir des régulateurs qui acceptent ou pas l'existence de cet actif électronique. Je reviens à la question du coût parce que c'est un point que vous souliez en préambule et en effet ça c'est une question peut-être pour la valorisation future pas à court terme là puisque on a un engouement, on a même certains disent une bulle sur le, le Bitcoin, bon, ça c'est une question d'appréciation, peu importe mais ce coût aujourd'hui, il est ce coût de fabrication, ce coût de transaction, il est supporté donc par les mineurs. C'est ce que vous m'avez expliqué à l'instant. Une fois que on a atteint le quota de 21 millions de bitcoins créés, les mineurs qui jusqu'alors avaient un intérêt Puisqu'ils pouvaient empocher les bitcoins à la, création et à, la, à la création et à la surveillance de tout ce système transactionnel, ils n'en auront plus. Donc, qui va supporter le coût de transaction Alors, soit véritablement il va falloir euh, imposer des règles, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des bitcoins acceptent de laisser une partie le, du, du temps de leur ordinateur pour faire, pour faire la transaction, soit ce sont les intermédiaires et qui vous feront payer quelque chose, et là vous aurez un coût de détention. Donc, on revient à l'idée de taux négatif quelque part, puisque à ce moment-là, euh, j'aurais peut-être 100 bitcoins au début, mais euh, forcément, comme il y a un coût de transaction, bah, euh, dans trois mois, j'en aurai plus que, j'exagère, mais 99, 98, parce qu'il faudra gérer euh, le coût de transaction du système. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a un problème derrière, qui est quand même un problème que les, les coûts de, de calcul vont, vont en hanter, c'est très consommateur d'énergie, et que derrière, il bah, va bien falloir que quelqu'un paye cette transaction. Euh, Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire le votre billet de banque il coûte de l'argent c'est quand même du coton, c'est une impression, la Banque de France, c'est la Banque de France, la BCE pour la zone euro, qui supporte le système monétaire européen, qui supporte le coût de ce billet. Bah, vous pouvez pas, il faut pas croire, le, même si vous utilisez un jour le Bitcoin, le Bitcoin aura un coût de transaction, un coût d'exécution, de, et donc il faudra bien qu'à un moment donné, quelqu'un le, le, le supporte, et ça peut être un taux, entre guillemets, négatif, qui, ça pourrait être une solution. Mais il y a plein de, de solutions ouvertes, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas forcément cette solution. Parlons des monnaies qui peuvent... Monnaies électroniques qui peuvent concurrencer celles des banques centrales. Bon, vous excluez pour le moment le Bitcoin, ce que je comprends, mais est-ce que <coughs> la Libra de Facebook, qui a été rebaptisée Diem, il me semble, la Libra de Facebook euh, ne pourrait pas s'imposer comme une valeur, comme une monnaie vraiment concurrentielle aux monnaies traditionnelles, parce que là, on aura un actif qui sera adossé à un pain, enfin, un actif. Une monnaie qui sera adossée à un panier d'autres monnaies. Voilà. Là, on est dans quelque chose un peu différent, hein, parce qu'il n'y a pas cet aspect euh, limité euh, en nombre de, de monnaies. Là, c'est l'idée c'est que euh, vous avez une monnaie de transaction qui sert à, à faire des transactions sur, euh, sur les plateformes électroniques. Et cette monnaie est euh, un panier composé de différentes devises. Mais devises qui existent, qui sont aujourd'hui euh, le dollar, l'euro, un petit peu de tout ça. Donc, vous achetez finalement un peu de ce panier. Donc, finalement, vous avez un sous-jacent qui est derrière qui est les vraies devises qui sont euh, qui ont un, un vrai élément donc c'est juste un, un élément pour simplifier les transactions pour créer peut-être des prix internationaux sur des biens euh, vous verrez vos, vos prix exprimés euh, en libra au lieu de l'avoir en euros en dollars et euh, c'est quelque chose de beaucoup plus stable forcément parce que derrière ça fluctue en fonction des différents monnaies donc vous n'avez pas d'aspect spéculatif. Euh, ça va pas monter plus parce que beaucoup de gens euh, achètent du Libra. Et après, on utilise des technologies qui sont issues naturellement de la blockchain, qui sont issues euh, de l'utilisation euh, qui sont qui ont été créées euh, pour le Bitcoin. Donc c'est un peu différent quand même du Bitcoin, ce n'est pas la même logique, parce que là vous avez un vrai sous-jacent, vous avez une vraie compartie. Par contre, l'inconvénient... C'est que vous êtes dépendant de, de Facebook. Facebook, si demain Facebook fait faillite, euh, bah vous vous retrouvez avec des Libra, mais Facebook, lui, ses devises, ça part dans la faillite et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est, qui est, qui est garanti par Facebook. Alors, on va espérer que Facebook fasse pas faillite, mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, la valeur de votre billet de banque, c'est garanti euh, par l'État européen, euh, par la banque centrale, par les institutions. Là, vous choisissez de prendre une monnaie euh, qui est garantie euh, par, euh, par une société privée. Est-ce que le, le vrai frein à l'avènement de ce type de monnaie ne réside pas dans le fait que les États n'accepteront pas la perte de souveraineté qu'induit fatalement la circulation de celle-ci C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça pose énormément. Alors... Si c'est négligeable, on s'en moque. Hein. On parle si ça devenait à se généraliser, que ça soit une grosse partie de l'épargne, de l'argent. Déjà, bah, ça veut dire que ce sont des dépôts qui quittent les banques pour aller chez Facebook. Ce sont donc c'est de l'argent qui circule et c'est de l'argent qui sort d'un pays pour aller dans un serveur. Je vous prends un exemple. Euh, mmh. Facebook met tous ses Libras sur un serveur aux États-Unis. Donc ça veut dire que ça dépend des États-Unis, de la législation américaine, mais de, du jour au lendemain, je fais un copier-coller, je mets ça dans, sur un serveur en Suisse. Donc ça dépend de la Suisse. Donc déjà, il y a un problème déjà de, 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 de transaction, de visibilité des transactions. Et puis, est-ce que c'est le rôle euh, d'un acteur privé de gérer la monnaie, de gérer euh, toutes ces conséquences que ça peut avoir Et puis, en termes de politique monétaire, comment on régule cette monnaie-là Parce que ça peut faire des sorties de capitaux très importantes d'une zone. Si demain, vous avez peur, tiens, on, on pense à la crise des souverains comme en Grèce, et on avait peur finalement... Euh, au niveau de la Grèce ou de Chypre, rappelez-vous ce qui s'est passé, mmh. bah c'est très facile d'acheter du Libra et puis d'aller euh, finalement en trois clics, euh, bah vous sortez tout l'argent du pays, alors qu'habituellement, il bah, faut avoir la valise, passer la douane avec la valise remplie de billets, c'était beaucoup plus compliqué. Donc il y a des vrais problèmes de sécurité, de gestion des flux de capitaux, et puis euh, derrière des risques quand même, euh, est-ce que c'est bien de dire aux particuliers que c'est un, une entreprise privée qui gère votre monnaie, euh, qui vous permet d'échanger votre travail avec d'autres biens et services, c'est quand même euh, bien d'avoir peut-être une garantie d'un État. En tout cas, c'est voilà, un choix aujourd'hui euh, que je pense que l'État ne voudra pas perdre cette souveraineté-là parce que c'est une remise en cause de beaucoup de rôles euh, de l'État, de la politique monétaire euh, au niveau national. Alors justement, vous faites allusion à la politique monétaire. Est-ce que les autorités ne risquent pas de mettre le holà un terme Ne serait-ce que parce que les banques centrales estiment qu'avec cette fuite finalement des capitaux sur ce type d'actifs ou de monnaie une question d'appréciation, encore une fois, euh, eh bien, l'efficacité de leur politique monétaire est contestée. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il se pose des réelles questions. Et je pense que si ça devenait à, à devenir vraiment, réellement important et à un poids important de, 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 de la monnaie euh, euh, des échanges, eh ben, il y aurait une volonté de, de, de limiter. Euh, soit de, de l'imposer par, euh, par des pour le remettre de sous le contrôle du secteur bancaire, ou soit carrément interdire les transactions. Hein, la Chine ne s'est pas embêtée. La Chine a clairement dit, euh, on interdit aux Chinois d'aller faire des transactions en Bitcoin. Bon, bah ça règle le problème. Et là, à ce moment-là, ça ne vaut plus rien. Vous avez retiré. Une partie de, des acheteurs potentiels. Donc là, là, très clairement, et on voit Facebook négocie actuellement, essaye de, de pousser sa, sa, sa monnaie, mais on voit que naturellement, hein, il y a une réponse de la part des banquiers centraux euh, qui sont là pour limiter euh, ce, ce développement. Bon, on voit que ce sont des questions tout de même d'importance pour les États, les banques centrales. Alors justement, est-ce que celles-ci ne vont pas régler la question en lançant assez rapidement, plus rapidement qu'elles ne l'anticipaient sans doute, leur propre monnaie électronique. On sait que la Chine est très avancée dans le domaine. Oui, alors c'est vrai que ça, il y a une vraie une vraie interrogation. Il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui au niveau de la des banques centrales, des banques centrales au niveau de la BRI. Ce qui est ce qui est, ce qui aujourd'hui regardé de de très près, c'est est-ce que finalement on ne pourrait pas à l'équivalent d'un billet, au lieu d'avoir un billet physique dans notre poche, est-ce qu'on pourrait pas avoir ce qu'on appelle une monnaie électronique euh, qui serait quand même garantie par l'État. Hein. Attention, là, on n'est plus dans un système complètement euh, euh, déréglementé, géré euh, par les particuliers entre eux. Hein. Là, ça serait un système avec un, un système informatique garanti par les banques centrales. Donc, ça serait équivalent, c'est-à-dire que vous auriez l'euro électronique qui serait équivalent à un billet physique. Hein. Donc, ça serait vraiment la même chose. Donc, après, il faut juste faire des supports, mais on pourrait imaginer une carte, hein, comme une carte de paiement, mais alors, qui paye la carte de paiement c'est ça le problème qui paye les transactions et donc ça revient à dire que les banques centrales doivent prendre en charge les coûts les coûts de gestion de cette monnaie les coûts de transaction parce que quand on va faire tourner l'ordinateur pour euh, pour faire euh, les transactions il va bien falloir que quelqu'un paye ses ordinateurs et cette électricité donc il ya quand même quelqu'un qui doit être là est ce que c'est la banque centrale qui va payer ça parce qu'à l'heure actuelle euh, elle, elle, elle émet les billets mais c'est tout mais une fois après elle a pas tous ses coûts de transaction à payer donc ça pose des problèmes comme ça mais c'est vrai que la chine est très en avance là-dessus parce que la chine y voit comme un moyen de diffuser sa monnaie dans le Monde. Et c'est vrai qu'on parlait toujours, c'est beaucoup plus simple de dire je crée une monnaie électronique de ma devise qui va servir aux transactions internationales et c'est quand même beaucoup plus simple de le créer que de faire des billets et puis les diffuser dans le monde entier. Donc il euh, y a cet aspect euh, quand même euh, de, de volonté euh, d'internationaliser de, une devise et c'est vrai que si elle, est, euh, si elle est vraiment utilisée par de nombreux acteurs et dans le commerce international, c'est un moyen de, 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 de remplacer le dollar. Pour, pour dire les choses simplement, mm -hmm. ça pourrait être un, un moyen. Mais mais ça pose énormément de problèmes et puis ça pose aussi un problème de, de gestion des flux, hein, euh, parce qu'on pourrait imaginer très clairement que du jour au lendemain, il euh, rien n'arrête euh, d'avoir des flux euh, qui vont euh, vers euh, l'euro euh, digi euh, monnaie euh, digitale et euh, avoir des sorties de capitaux, il euh, faut, faut gérer ça. Donc c'est compliqué, et puis il y a tous ces aspects de coûts euh, qui font que ça ne sera peut-être pas forcément pour demain. Bon, donc à ce que vous dites, c'est pas si simple. Je reviens au Bitcoin, c'est-à-dire au point de départ. Vous avez dit que c'était finalement... Euh une réserve de valeur, quelle perspective on peut lui voir pour le cycle qui vient, c'est-à-dire pour les 12 mois qui viennent alors première chose, n'achetez pas le bitcoin dans l'idée de l'utiliser comme de, dans votre porte-monnaie. Moi je pensais pas ça l'idée. Aujourd'hui, achetez le bitcoin en sachant ce que vous achetez. Vous achetez de la spéculation. Alors peut-être à tort ou à raison, hein, on voit qu'il y, y a des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, mais vous l'achetez sur l'hypothèse que euh, c'est la, la théorie de la foule, vous savez, que de plus en plus de gens vont s'y intéresser, que de plus en plus de gens vont acheter ce, ce, cette, euh, ce bitcoin et donc ça va faire monter le cours. Après, sachez prendre votre bénéfice, hein, c'est du trading, <laughs> c'est pas du tout euh, parce qu'à un moment donné, bah, ça va faire du haut euh, là, ça va monter, baisser, et on, on voit qu'il n'y a pas de fondamentaux. Ce n'est pas une bulle, parce qu'une bulle, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un fondamental, il faudrait que je vous dise la vraie valeur, hein, la valeur vraiment intrinsèque du Bitcoin, c'est en. Un... Non, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune valeur. C'est juste de ce que qu'anticipent les gens. Euh, c'est le concours de beauté de Keynes, hein, c'est n'est pas d'élire euh, la plus belle femme, c'est de, de voir ce que les autres vont penser euh, qui, euh, de, de la personne qui sera élue euh, à ce concours de beauté. Donc finalement, c'est le concours de beauté du Bitcoin, c'est de savoir si. Tout le monde commence à y croire, et si tout le monde y croit, eh ben ça va continuer de monter. Mais c'est très spéculatif, et surtout, euh, un élément important, c'est pas quelque chose qui crée de la valeur. C'est pas un, un actif euh, que, comme une action où vous avez une part du capital d'une entreprise. Là, vous ne créez rien. C'est juste de la spéculation sans fondamentaux. Donc, faut être prêt à, à jouer ça et à, et à jouer aussi la volatilité autour de, de cet euh, actif entre guillemets euh, numérique. Christian, merci et je suppose que nous aurons l'occasion de reparler du Bitcoin. A très bientôt.